Eh bien, salut à tous, c'est IDFX09, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour enfin ce DLC qu'on attendait avec impatience. Et je dois vous avouer que, oh là là là, ce véhicule-là, il est bon, donc regardez-moi ça. Oh là là. Alors oui, je vais faire des petites vidéos hein, pour pas faire trop long. Donc on va commencer avec ce premier véhicule, je vous montre rapidement son prix. Donc 1 750 000, il n'est pas donné. Donc on va voir ce que ça va, qu'est-ce qu'on peut faire dessus hein. Oh mais il est magnifique, oh là là, ce que je me réjouis de faire des courses avec. Donc c'est parti tout de suite, allez, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Hop là. Vapid FMG, super sportif bien évidemment. Donc, alors on commence avec les choses de base, hein. Blindage à fond. Les freins, qu'est-ce qu'on peut... Bon, les freins, je dis la merde, pare-choc. Voilà ce qui nous intéresse, ok. Celui-ci... Je suis un petit peu déçu, mais je vais quand même mettre celui en carbone, hein, le plus cher. Moteur à fond. Oh là là. Exposant, klaxon, éclairage. Les phares, on met ça. Kit de néon, on met déjà ça, mais je sais pas ce que je vais mettre, donc voilà. Plaque peinture, couleur principale. Je vais partir sur du métallisé. Oh là 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 là. Il est incroyable ce véhicule. Magnifique, magnifique. Du coup, je sais pas ce que je vais mettre comme couleur. Étant donné que... Ouais, voilà, je sais pas. on va voir. J'essaie un peu les couleurs comme ça, voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre de bien. Oh là là. Pourquoi pas. Regardez, non mais regardez-moi le véhicule. Il est immense, les gens. Il est immense, le véhicule. Peut-être celui-ci. Bon, je mets déjà ça au cas où. Je regarde vite fait. Ouh. Ah ouais, peut-être en rouge. Peut-être, je sais pas. C'est pas ça. Attendez, il est où le rouge? Rouge Ouais, vous savez quoi? On va faire en rouge, ça va faire un style Ferrari, hein, même si, voilà quoi, c'est pas important. Bon, ensuite, nacré. Non, je vais pas perdre de temps, c'est pas le plus important. Le but, c'est vraiment de vous montrer couleur secondaire. Il y a une couleur secondaire? C'est quoi la couleur secondaire? Ah ouais, les étriers. Rouge, bien évidemment. Hein. Bon, c'est pas très important parce que je crois pas qu'il y a d'autres choses. Ensuite, emblème de chrono. Le toit. Ok. La petite prise à l'arrière. Celui-ci est... non, faut pas gâcher le moteur. Par contre, je me dis, mais pourquoi pas... Vous savez quoi, on va mettre celui-ci. Comme ça donne un petit air sympa. J'espère qu'il y a des ailerons. Et ben voilà, le plus intéressant. Ouh, ok, pourquoi pas. Celui-ci. Ouais. Franchement, je sais pas quoi mettre. Je ne sais pas quoi mettre, les gens, du coup. Hop. Je vais peut-être mettre celui-ci. Oh là là. Ils sont bien, franchement, ils sont bien. Mais, vous savez quoi. Ouais, je sais pas. Alors, du coup, je mets celui-ci, je sais pas, franchement, je sais pas. Suspension. La voiture, elle est déjà vachement rabaissée, alors comme ça, ça doit être... Après, bien évidemment, je ferai des tests, voir quelle est la voiture la plus rapide, etc. parmi les nouvelles. Les jantes, je vais pas toucher, parce que franchement, elles sont sublimes. Je vais juste voir un truc. Ah, on peut pas. Ah oui, ça, c'est très important. Amélioration des pneus. Hop. On peut pas. Ah, on peut pas, ok, pas grave. Fenêtre. Moi, j'aime bien tout ce qui est sombre, donc je vais mettre comme ça, voilà. Du coup, j'ai dit encore éclairage, ouais, c'était éclairage, kit de néon, couleur. Du coup, je vais mettre en rouge, voilà. Donc, voilà pour la découverte de ce véhicule, il est sublime. On va voir ce que ça donne sur la route maintenant. On va quitter, ouh, il pleut, ouais, il pleut. Bon, en tout cas, voilà, c'est la toute première. Il est vraiment superbe ce véhicule. Ah oui, je vous ai pas montré l'intérieur. On va voir ça. Même moi, j'ai pas vu. Donc, regardez. Ouais, ouais, ouais. Un petit peu simple. Bon, pas très grave, mais bon. C'est pas ce qu'il y a de plus important, à vrai dire. Donc, voilà. Mais il est immense, le véhicule. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Donc, on accède. Oula. Ouais. Je verrai peut-être pour la couleur changer. Mais ouf, il glisse pas mal. Bon, il pleut, hein. Mais je regarde l'accélération comme ça. Voilà, voilà. Ouh, oulala.
En tout cas, voilà les gens, j'espère que la présentation de ce véhicule vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos impressions. Et je vous dis, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la découverte des autres véhicules. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.